Salutations à toutes et à tous, qui dit mercredi dit découverte de l'une de ces femmes incroyables. Il y a 15 jours, on avait terminé l'album Ces femmes incroyables qui ont changé l'histoire. Et on va donc dès à présent entamer Ces femmes incroyables qui protègent la planète, toujours de et illustré par Kate Pankhurst et édité par les éditions Kiman. La semaine dernière, j'avais fait un petit hors-série spécial consacré à notre formidable collègue Sandra qui s'apprête à partir pour le rallye Aïcha des Gazelles. Donc c'était un peu plus long que d'habitude puisque je l'avais interviewée. Je la réinterviewerai sûrement à son retour. Mais en tout cas, voilà, sachez que si vous voyez cette vidéo le mercredi 16, le lendemain, donc le jeudi 17 à 9h, elle partira avec sa consoeur Sandrine de devant la médiathèque de Genlis. Donc si jamais vous voulez venir les encourager avant leur départ, n'hésitez pas à venir donc demain matin à 9h sur le parking de l'espace culturel. Et aujourd'hui, on va donc découvrir Eugénie Clarke. Alors à votre avis, comment elle a fait pour protéger la planète? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter son histoire. Protège notre belle planète avec ses femmes courageuses. Eugénie Clarke, Wangari Maathai, Ingeborg Belling, Anita Roddick, Edith Farkas, Jane Goodall, Isatou Gizé, Florence Augusta Miriam Bailey, Maria Telkes, Le Mouvement Chipko, Eileen Kampakuta Brown et Eileen Wani Wingfield. Protégeons la planète pour les générations futures. Ursula Marvin, Daphne Sheldrick. Les femmes présentées dans ce livre étaient conscientes que toutes les vies sur Terre méritent notre respect et notre protection. Elles ont pris des risques pour étudier les requins mangeurs d'hommes ou sauver des éléphantaux devenus orphelins à cause du braconnage. Lorsque le monde qui les entourait était menacé par la pollution ou la déforestation, elles se sont levées et ont défendu ce qui était juste. Elles ont fait des découvertes scientifiques majeures pour la sauvegarde de notre planète et ont montré que même de petits changements peuvent faire une grande différence. Leur vie et leur engagement nous montrent que nous avons tous le pouvoir de sauver la planète. Et toi aussi. Plonge et découvre l'océan avec Eugénie Clarke. La fascination d'Eugénie pour les animaux marins commença au début des années 1930, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Sa mère souhaitait lui trouver une occupation le samedi matin pendant qu'elle-même travaillait. Un jour, elle déposa Eugénie à l'aquarium de New York. La petite fille fut aussitôt conquise. Elle revint chaque samedi, explorant encore et encore le monde sous-marin. Je collais mon visage sur la paroi de l'aquarium et je m'imaginais en train de marcher sur le fond de l'océan. Eugénie devint biologiste marine et apprit la plongée sous-marine. À l'époque, c'était un métier très inhabituel pour une femme. Eugénie fut bientôt connue pour ses incroyables découvertes scientifiques et ses nombreuses aventures. J'ai parcouru les océans pour étudier les animaux marins. Pour cela, j'ai refusé d'écouter tous ceux qui prétendaient que c'était trop dangereux pour une femme. N'ayant peur de rien, Eugénie étudia les créatures marines considérées comme les plus dangereuses. Les requins. Dans les années 1950, Eugénie réussit à entraîner un requin nourrice à atteindre une cible. Elle démontra ainsi que les requins sont intelligents. On pensait que les requins étaient de stupides machines à tuer. En les côtoyant, j'ai découvert que ces gangsters des profondeurs souffraient surtout de leur mauvaise réputation. En 1973, au Mexique, elle observa des requins qui semblaient dormir dans une grotte sous-marine. Auparavant, on pensait que les requins devaient rester en mouvement pour respirer. En 1981, Eugénie chevaucha un requin-baleine de plus de 15 mètres de long. Il faut aimer l'océan, mais aussi les animaux qui y vivent. Lorsque tu aperçois un requin, mesure la chance que tu as. Eugénie plongea pour la dernière fois en 2014, à l'âge de 92 ans. Elle fut surnommée Shark Lady, Madame Requin. Elle incita le monde entier à découvrir davantage les océans et à traiter toutes les créatures marines avec le même respect. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, elle n'a pas hésité à utiliser la plongée dans son métier, et ce, même si c'était à l'époque une affaire d'homme. Heureusement, grâce à elle notamment, c'est devenu une activité non genrée, et n'importe qui peut faire de la plongée sous-marine, que ce soit pour son travail ou pour son loisir. Et grâce à elle, on a appris beaucoup de choses sur les requins, puisqu'elle n'a pas hésité à s'approcher d'eux, et à montrer que, contrairement à ce que l'on pense, ce ne sont pas juste des machines à tuer. D'ailleurs, il faut savoir qu'en général, chaque année, les requins ne tuent pas beaucoup d'hommes. Il y a plus de gens qui meurent parce qu'ils se prennent une noix de coco sur la tête chaque année plutôt que des attaques de requins. Donc il faudrait arrêter de faire croire qu'ils sont dangereux et s'en prennent à l'homme pour le plaisir. Donc malheureusement, cela peut arriver, mais en général, ce sont plutôt des accidents et ce n'est pas l'homme qui cherchait à attaquer. Ce dernier ou cette dernière se trouvait juste au mauvais endroit, au mauvais moment. En tout cas, voilà, grâce à Eugénie Clarke, on en sait plus sur les requins et sur les différentes espèces animales que l'on peut trouver sous l'eau et qu'il faut protéger pour éviter qu'elles ne disparaissent. Et en plus, ce qui est admirable, c'est qu'elle a continué sa passion et a plongé jusqu'à 92 ans. Et je crois qu'on aimerait pouvoir toutes et tous en faire autant et aussi bien vieillir qu'elle. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle femme incroyable. Salut !